Ah, parce que là, Tengu et Fuji ensemble, c'est pas super drôle, quoi. Justement, c'est officiellement notre premier donjon. On va devoir faire Tengu et Fuji ensemble. Ouais. Que Là, ça fait tu partie de notre joues G-Dog juste ici, regarde. Allez. Hop, elle est là. Caviar nourricière, juste avant le colosso. Ah là 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 là. Let's go, hein. Ça va partir sur un focus de Fuji, j'imagine. Ouais, on va voir ce qu'on peut faire. Hein. On va surtout voir ce qu'on peut faire, je pense. Why not, hein? Why not, On va ouais. voir, hein. On va mettre une petite prémo des familles. Alors, Gelure. ils ont des belles faiblesses, hein, les mobs. Ah, quel plaisir. Ah bah ici, ouais, les mobs, c'est vraiment full résist, full faiblesse. Dinguerie. Alors, le chat Avec ici, succès? Comment ça, avec succès? R. Comment ça, mon buff? Uji, dernier statut duo spécial. Dernier statut. Bruh. Non, en fait, le concept de l'aventure, c'est juste que on joue tous les deux des classes qu'on n'arrive pas à jouer, qu'on connaît pas, qui sont très difficiles. Deux fails par tour. Ah, si en plus on fait des challenges, je pense qu'on va juste FF aux deux premiers donjons. En plus, quand c'est un solo Odyssée et que je connais pas la classe, bah tu vois, moi je die une retry en boucle, je pose pas de questions, tu vois, tout se passe dans ma tête, donc ça va, mais. Mais là, je pense que ça va être compliqué, là. Si on fait comme De ça. ces zones-là. Ouais. Alors. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre une prémo en bas. On va tout de suite Rambo. Voilà, qu'on n'oublie pas. Parce que ça y est, j'ai quand même compris un petit peu à force comment ça se joue. Maintenant, un petit peu. Nickel. Oh, On va tu peux mettre éteindre en feu le ça, yokai. là, là. Oh, joli ça. Très bon tour ça. J'ai enfin réussi. Oh, il me restait 2 PA. J'ai enfin réussi à comprendre comment on joue la classe. J'aurais pu tuer le yokai. Bon, il y a quand même eu le Royal Moot, Manso, Ben, Opsi. Attends, je dis ça, mais je vais me karma tout de suite. Hein. Juste après, je vais faire de merde. C'est sûr. Oh, Roxer Killer, merci pour le raid. Bienvenue à tous, les amis. J'espère que vous avez passé un bon live. On est là que t'es TP, c'est pas grave si je te bloque là. Ah ouais, t'inquiète Ouais, pas, t'as j'ai très une bon, ouais. prémo. Ouais. Tant que tu me mets Pour pas de faire le passif. cacher. Oh non, Mikul, tu m'as enfermé, putain! Ah non, je suis Xelor. Et là, c'est comme ça. Et non. Ouais. Mon petit trou de cul. Et non, mon petit trou de cul. Là, tu fais péter la synchro de la balle. Là, je te respecte. Instant. Non, on va pas faire ça. Hein. Ah J'ai oublié de mettre. Oh, j'ai oublié de me déplacer. Tu vois, j'ai déjà fail. J'ai oublié de me déplacer. J'ai oublié de remettre une prémo. J'aurais dû remettre une prémo. J'aurais pas dû bouger d'où je suis. Plus me retour pour retourner là-bas. Aïe aïe aïe. bah Bienvenue Roxer Killer. J'espère que votre live sur Dofus Retro était cool. Dofus 4, The Win. Oh non, Dofus for the Win, c'est ça. Hop, je t'ai soigné un peu. Salut Bah. Janko. Hello Barbe, j'ai commencé le Steam. Tu me conseilles quoi? La voix Intel pour leveling? Oui, Intel ou AJ, à ta guise. Putain, Mikul, t'aurais pu tuer le mob. Oups. Ouais, mais je t'ai soigné, mec. Putain, t'aurais pu me C'est fait soigner plus quand exprès. même. J'avoue que je t'ai pas soigné beaucoup. C'est le mec. Il fait pas d'efforts, cet héliotrope. Avec ses portails de merde. Oups. Ouais, Le premier, c'est lui. rester là. Très bien ici. Hein. On va gelure ça, Epsidre. Ah.
En fait, toutes les voies du steamer sont intéressantes. Vraiment. Mais il y a un maître steamer dans le chat qui a son avis, et son avis c'est steamer feu quand même. Malgré la puissance du steamer air par rapport au stuff. À combien de fails tu publies la photo de Mikul sur le réseau? Ah t'inquiète, il est déjà affiché au-dessus là. C'est foutu. Bande de salauds. Ouais, je peux vous afficher, je peux vous montrer des vraies photos de Mikul, hein, si vous préférez. Hein. Ah, c'est peut-être mieux de montrer une vraie photo après la tronche. Ils vont se dire, c'est pas possible. Mais comment ça se fait qu'il a la bouche tout le temps comme ça, le mec? Ouais, il est comme ça à 24. Hein. Ouais, tout le temps. C'est ma tête normale, en fait. Alors, un petit gelure là-dessus. Ah, ça a lagué quand j'ai voulu jouer. Il laisse les mobs à 128 HP, quoi, j'y crois. Ah, j'aurais pu essayer de le tuer, peut-être que j'avais encore des paires à gratter quelque part, mais... Non, je rigole. Elle va savoir c'est lequel, le vrai compte... Ton vrai compte. T'as plusieurs comptes sur Facebook. Ah, tu peux utiliser celui que t'as utilisé pour trouver les photos, je pense. Hein. Oh, j'ai fait un petit tour là. Miam, miam, miam. Ok. Alors Mikul, j'ai une photo de toi. Hop. J'ai une photo de toi. Dans quelles circonstances on la dévoile? Comme tu veux, hein. Peu m'importe, moi. Comme tu veux, mec. Je sais pas. C'est une photo compromettante ou pas? Non. Ah, au premier fail, il le redit, ouais, tiens. Non, c'est pas une photo compromettante. Bah, en vrai, ça serait, Attention, parce qu'un fail de redit, c'est large, hein. Parce que là, en vrai, tout est tour, il y a toujours une redit mieux à faire, hein. Les gens vont considérer que c'est un fail. Non, 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 mais un fail, ça veut dire que tu peux pas taper dans les portails, quoi. Un fail où, par exemple, la redire renvoie dans le mur, ouais, et que tu finis par taper sans les portails. Sans les portails, ouais, c'est ça. Ça, c'est pas mal. Ouais. Sur la c'est bon moyen, ouais. Ouais. Après, okay. Ça va, c'est pas compromettant, donc je peux me permettre de louper. Je t'ai connu plus avare. Hein. D'habitude, t'aurais dit aller aux 25 subs. Ouais, j'aurais pu dire ça, mais hier, tu m'as refroidi. Je me suis dit, oh, j'ai peut-être pas trop abusé. Non, non, je rigole. Pour 25 subs, je monte Mikul à poil. Non. Toujours plus. Ah, bah ça va, je suis... hey, tu m'as pris pour... c'est un pro... Ça y est, il... Je suis proxénète, moi. Grave. T'es proxénète, toi. Proxélère. Allez, tiens, kick TPA, là. Toi aussi, tu mets du talc sur ta main. Je sais plus c'est dans quoi. Pas dans Owai, le talc plus. Non. Je sais plus c'est dans quoi où il met du talc sur la main et il met des gifles à chaque fois. Du coup, dans 4K pour 10 subs. Pas ouf, hein. On a inventé le jeu des songes grâce à Mikul quand même. Le jeu des songes? Ah oui, des tchals loupés, je crois. Je sais pas si tu as répondu, Barbe, j'avais des pubs. Salut Diex, c'était quoi la question? Tu peux la reposer, s'il te plaît? Vous passerez pas portail, les nubs. Alors déjà, on va commencer par le plus important, c'est de remettre une prémo. Voilà, on va donc s'occuper de lui. Et du coup, depuis qu'ils ont trouvé le concept, vu que je suis un peu comme Barbe, un énutrophe, bah je viens plus en songe. C'est le mec. Non, mais hop. Non, je m'en fous. En plus, j'y suis retourné. Oh là là, c'est agréable à jouer le Xel quand tu sais bien le jouer. Ouais. Ça tape rien, mais. C'est cool quand même, hein.
C'est un peu de la merde en dégâts, mais... Il faut 24 PA pour faire les dégâts d'un 11 PA d'un Kra, quoi. Je peux faire. Chaque Chalmis part à quelqu'un pendant son tour de jeu, 10 000 Kama, deuxième 20 000, troisième total 30 000, troisième 30 000. Canette à redistribuer en guilde. Ah, pas mal le concept. Oui. Dans le coffre de guilde ? Le coffre de guilde n'est pas accessible encore. Ouais, je dois 10 000, j'ai raté un Chal, mais ça va sur pas mal d'étages quand même. Ah, je sais pas si j'en avais fait beaucoup le coup là. Non, je vais t'aider. Ah, c'est vrai qu'il faut que je mette 10 000 dans le coffre de guilde. Là, vous voyez par exemple, tant que je bouge pas, je peux retour spontané. Donc là, je vais prémo ici. Je vais faire frappe de Xel. Gelure. Voilà. Je peux retour. Retour. Tu vois ? M'en suis sorti, hein. Eh hey, ça rentre dans la petite tête là. Ah ouais, le chat. PM. Dans le petit cerveau là, ça rentre un peu là. Alors Mikul, c'est toi qui te fais bully maintenant, c'est plus moi. Ouais. Oh, mon... J'aurais dû taper un peu plus avant my bad. Là je me suis bien fait U. Le pire c'est que c'est mes kamas de jouer. Mikul il va mettre ses stuff en gage. Oh wait. Le seul souci dans la voie feu, c'est sur son obtention du 3e. Alors, Janko avait répondu par rapport au steamer, effectivement. Le seul souci dans... Ah, c'est à moi de jouer, pardon. Ouais. Non, après, ça va sur cette galère. Session. On dit Miku, mais moi, j'ai mis que 10 000 Kama sur cette session. Hein. Je crois qu'il y en a qui ont mis un peu plus. Hein. Ah, les noobs. Alors, Prémo. Voilà. Je dis ça, je m'en rappelle même plus. Hein. T'as mis 10. 10 quoi ? En 3 étages. En 3 étages. Ah, ça va. Tous les camas ramassés lors des donjons free-free qui vont partir dans les consos. Grave. J'avoue. Salut, pour quelle heure le transfert, tu sais ? Salut, Tosen. Non, je sais pas encore. Vivement. Eh, vous trouvez pas qu'on s'en sort bien quand même pour des gars qui découvrent les classes ? En vrai. Ça va, hein. Ah, je te voyais plus. Mais il est où, Barbe ? Moi aussi, je me vois plus, t'inquiète. Oh, c'est chiant, il y a la Camille juste à côté de nous, là. En plus, elle va me bouffer en diagonale. Bah, c'est ça. J'ai déjà plus de vie, en fait. Elle va jouer, elle va m'éteindre. Là. T'aimes bien le kick PAT1 hein. Bof hein. Tu joues Nebu ou pas? Je sais plus. Regarde ton stuff après ton tour. Tu me diras, si tu joues Nebu, je vais arrêter de te flou. En vrai, je peux même faire. En vrai, je te fais perdre 2 PAT1, mais ton T1 c'est du placement généralement et ton T2 c'est du Rox. Bah sur moi, là j'ai besoin de vol de vie là. Ouais, je peux faire ça. Ça, ça plus fort. Achète du pain chez le boulanger. Moi j'ai acheté des papillotes. Barbe, ce qu'on fait sur la phase 2, on le garde sur Ophi. Ouais, ouais, jouer, ouais. T'inquiète. Oh, salut bébé. T'as fait bobo la tête. Oh, le full PA là. Miam, miam, miam. Achète ton pote là. Hop. En plus, c'est mon tour. Alors, attendez. Je vais faire un truc. Je vais mettre une prémo. Je vais. Frappe de Xel. J'ai réussi à tuer aucun mob, hein. Vraiment. Alors l'Hélène, il joue sur Elisael et la bêta, elle ouvre en janvier 2026. Tant pis pour la plante. Sacha ? Oui, oui, y a pas de soucis. Sacha, tu veux prendre le bilby avec toi là-bas ? Je joue pas trop vite, Mikul, j'arrive. Ouais, vas-y. En vrai, faudrait que je fasse ça. Ah, je suis con. Prendre le vide avec toi dans
problème, c'est que. Bah, c'est que j'ai déjà plus de temps de tour. De rien, Hélène. On reconnaît le troll. Oh, qu'est-ce que je vais réussir à faire mon tour? Aïe, vite. Imagine, t'as un Xelor et t'as pas le temps de jouer. Imagine. Hein. Alors, un. Achète-toi une montre, mec. Ouais, gros noobs. Force, tu vas te lancer dans le stream. Bah, j'ai déjà essayé, hein. J'ai déjà fait 2-3 streams et tout, mais comme je suis un peu comme Barb, j'aime pas proposer quelque chose de pas quali. Bah, si ça fait 30 micro, fois. Je trouve que... Ouais. Si mon micro, je trouve qu'il est pas bien, bah ça me gave. Et si j'ai pas de webcam, je trouve qu'il n'y a pas d'utilité. Mais Kult, ça fait 30 fois que je lui propose le stream. Mais en vrai, même si t'avais tout, je sais pas si t'aimerais vraiment stream. Tu vois, vraiment, les gens sur les streams, ils jugent vraiment beaucoup. Ah bah, et toi, ça te trigger très vite. Déjà que moi, j'ai du mal la plupart du temps. Et encore, j'ai une commu ultra bienveillante. Mais en vrai, tu me connais, là je suis comme ça parce que je suis tout seul, mais quand je fréquentais beaucoup de monde, j'étais la personne la plus imperturbable du monde. Hein. Quand j'étais tout le temps entouré de mes potes, hein, à l'époque. Quand j'étais plus jeune, quoi. En vieillissant, je deviens un peu plus aigri. Après, c'est pas la vieillesse qui fait que tu deviens aigri. Hein. C'est surtout le fait d'être tout seul, je pense. On va retour spont. Ça va, je suis pas non plus... Oh, j'ai rien drop. Attention, Mikul. Ici, on clique sur le machin et on dit « Rendre hommage à Tengu et Fuji ». Ah. Oui, moi aussi, je préfère être seul. Hein. J'ai... Voilà, quoi. Rendre hommage à Tengu et Fuji. Attends. C'est-à-dire déranger Tengu et Fuji, tu veux dire, plutôt. Ouais, c'est ça. On fait Tengu et Fuji, ouais. Ouais. Par contre, j'ai pas de pain. Donc, j'aurais peut-être dû en acheter. Alors, c'est attends. Pas le fait d'être français, hein, d'être aigri. Hein. Ça, c'est parce que... Parce que vous voyez beaucoup de français, donc forcément, vous trouvez... Mais il y a beaucoup la de, webcam, beaucoup c'est de pas pays, obligatoire. Hein. C'est le micro qui compte. Hein. La webcam, ça vient après. Non, mais c'est pas que c'est obligatoire, mais essaye de me trouver un stream où il n'y a pas de webcam, où les gens, ils perdent... Il y en a, hein. Il y en a quand même. Tous les gens que je connais, les streamers qui, genre, ont des webcams au début et que, des fois, quand ils tiltent, ils enlèvent leur webcam, ils perdent 100 viewers. Mais ça dépend ce que t'appelles percer aussi, parce que déjà, c'est pas en deux streams d'offus que tu vas percer. Dire la cam, ouais, ça non, peut arriver mais... après. Non mais bien sûr tu perces pas, mais ce que je veux dire c'est que si tu commences pas à faire quelque chose... En fait moi pour moi le streaming c'est la commu qui interagit avec le streamer et s'il te voit pas bah ça enlève déjà... Bah là il te voit pas, mettez plus 1 dans le chat ceux qui apprécient Mikul, juste pour voir. Là il te voit pas. Ça va faire moins. Bah vous avez le droit de dire moins. Bah oui. Alors ce qu'on peut faire c'est mettre une prémo... Par là-bas. On va faire comme ça. Ça. Hop. Merci, c'est gentil. Tu mets pas le truc du coup, comme ça te dérange la plupart du temps. Ouais, faut que je fasse gaffe. En vrai, ce serait bien de focus Fuji, mais. Déjà, faut qu'on réussisse à garder la dist. Ouais. Ah mais Mikul, c'est la bienveillance et le cœur sur la main, hein, mais il aime pas qu'on le critique, quoi. Je veux dire, les critiques, ça le monte en pression très vite. Après voilà, vous me connaissez aussi, vous savez très bien que chez moi c'est la même chose. Hein. Juste je le cache très bien. Ça ne peut passer dans les portails. Oh, t'as tapé à travers le portail ou pas là? Non, non. Oh, oh. Oh le chat. Non je rigole, c'est pas une fail redis, c'est un T1. Ah bah non mais c'est juste que là je pouvais rien faire d'autre. Hein, ouais. Je rigole. En fait valait mieux que je pousse Tengu et perde ma redis plutôt que de taper dans un portail et avoir Tengu au cac. T'inquiète. Alors on va utiliser Rambo.
Primo. Ouais, on bien va sûr, tuer ce y en a... truc. Il y en a qui fonctionnent sans cam, mais après, moi, j'aime bien... En fait, je suis quelqu'un... si je stream, je jouerai beaucoup avec... avec tout ce qui est... comment on appelle ça? Avec ton zizi? Interaction... Non, interaction du visage, des... Hein des... Rien à voir. Ouais, des connes. Je sais pas. Bah non, heureusement. Hein. C'est pas le même site, hein. C'est plus... plus la même chose, hein. Pardon. C'est chelou, là. Ok. En vrai... Je suis désolé. Interruption. Après, j'en ai des cams pour lui, hein, vraiment. Putain, il m'a déconcentré du coup, là, ça y est. Je suis paumé. Il est con, putain. Ah ! Ah, j'ai poussé le boss sur ta primo. Oh non ! Non, ça va. T'as tellement des bons moves à faire, du coup, je fais ça, en fait. Par contre, faut repousser Tengu à sa maison, je pense, non ? Je m'en occupe au pire. Mais... On est d'accord que, il va les invoquer, de toute façon, le Tengu, ces mobs-là, il en a déjà invoqué un. Ouais. Juste pas qu'on le tue. Ça va être que je tue le mieux. Ce qui serait intéressant, ce serait que tu tues lui là, pour qu'il ne touche pas. J'essaye. Je vais voir si je peux. Et un portail. Ah non. Voilà. Aïe aïe aïe. Première redi fail. Ça y est. Ça y est le chat. Je suis obligé de vous dévoiler une photo de Mikul. C'est pas une tête de troll. Une photo de mes pieds. Non. Je peux ou pas? Ah ouais, tu peux. Voilà. Le reveal. Waouh, chou là. Oh shit. On est où là? Attendez, faut que j'arrive à jouer quand même. Reveal. Ah, c'est. Maintenant, j'ai un peu de cheveux aussi. Enfin, tu me diras, c'est un coup j'ai des cheveux, un coup j'en ai pas. C'est comme barbe en fait, on est pareil. À part que moi j'ai pas de barbe quoi. Ça, j'ai une barbe mais plus petite. Et décédez-moi, hein, soudain. Oublie pas, hein, la règle c'est si je meurs, on est obligé de retry. Ouais. Et si tu meurs, on est obligé de retry. Avec la touche mage BTZ. Salut Tom Fort, on n'est pas sur Dofus Unity, non. Dofus Unity c'est fermé pour l'instant, ça ouvre tout à l'heure, hein, en phase 2. Oh, je suis trop con. J'ai salut Samuel, deux. Effectivement, il faudrait que je fasse exploser ma synchro plus souvent. Oh, j'ai fail de fou. J'ai mis le portail dans le mauvais sens. J'ai fait du bon trolling. 63 HP en plus. Là, ça retry. J'étais pas focus, désolé. C'est pas grave, t'inquiète. Premier retry. Ouais. Ah, le Sgeg, c'est pareil. Ouais. Enfin, je sais pas en vrai, tu me diras. On s'amuse pas trop à regarder entre nous. On n'a pas fait de combat d'épée, non. Bah ouais, j'ai pas de pain, c'est toujours pareil. Tant pis, on attend. Bah rentre dedans et puis je vais te donner du pain. Vas-y. Attends, je cherche juste un truc parce que je sais que j'avais un chat. Ce serait pas mal de mettre le chat en place quand même, parce que comme je suis en vidéo sur... comme je suis en vidéo en même temps. Hop, un échange. Alors... Merci. Ouais, il y a des objectifs sur la phase 2, ouais, vous en faites pas. On sait pas encore ce que c'est, mais... on va bientôt le savoir. T'es bon, t'es prêt? Ouais. Are you ready? C'est parti. Alors, mon T1 était pas trop mal en vrai. Là-dessus. Tengu va avancer. Est-ce que je peux pas me mettre plus près? Plutôt pour... En vrai, c'est pas besoin.
Quoi la variante de glas qui fait que je l'utilisais finalement plus? Glas. C'est des synchros que j'utilise jamais. On va utiliser glas. Hein. Vas-y. Pour l'instant, j'ai pas encore le réflexe des synchros donc. Ah, la phase 2, les amis, c'est que la bêta, encore une fois. Hein. C'est pas une histoire de mage ou de quoi que ce soit. Hein. Là, ça peut même mettre 3 jours si vous voulez. Enfin, c'est pas censé être le cas, mais. Voilà, c'est pas prévu que ce soit rapide le changement là. Bon, prémonition. 1, 2. Clac. Gelure. Loup. Parfait. Ah, il est bien le skin comme ça, hein. J'ai dit mage, c'était pas le bon terme, mais t'as compris l'idée, je suis en camion habitué. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah pour le coup, en fait, on n'a jamais eu de date, d'horaire, pardon, pour aujourd'hui. On savait que ça terminait hier à 9h, bon ça a terminé hier à 9h genre 30. Et là aujourd'hui, bah y a pas d'heure, ils ont bien fait de pas le donner, parce que, à mon avis, ils peuvent pas le respecter forcément. Salut You, on est sur 2.0, là la bêta est fermée. Oh mon dieu, Mikul, tu m'as enfermé. Eh non. Moi, je suis très bien. Pas trop mal, plutôt. Tu peux me... Ah, il me tacle pas, en fait. Le yokai, parfait. Alors, on va mettre ça là. 1, 2, 3... 4, 5, voyons te débreux. Ah, est-ce que tu peux enlever le yokai quand même du stade DPA? Dommage, tant pis. Il te tacle pas, hein? Non, mais c'était du portail surtout, mais on ressort. T'as comment elle tape celle-là, en diagonale? Ah, si, il me tacle. Il me fout le tacle. Non, il tacle de 1 là, c'est marqué. Ouais, c'est un peu chiant, mais c'est pas grave. Coucou bébé d'amour. Oh, bah qu'est-ce que tu fais avec ça? Qu'est-ce que tu fais avec cette poignée d'élastique? Demande à maman. Attention Sacha, s'il te plaît. Il va être content. Ah, ça va pas être possible de faire le combat pour l'instant. Je pense que je vais pas avoir le temps de jouer. Je vais essayer. Non, mais je suis mort déjà là. Je suis mort. Ah, t'es mort. Je veux juste faire un tour alors. Prends ton time, hein, t'inquiète. J'ai fait le con, j'ai pas regardé les PM du Tengu. En fait, c'est bien là le tour, mais il s'est bloqué dans le mur. Pour le repousser, c'est chiant. Du coup, je pouvais pas faire grand chose. J'ai un peu chié dans la colle sur mes redis. Ouais, je vois. Dire ce qui... J'ai réussi à la midlife. Pas mal en vrai. Hein. Non, je reviens le chat. Faut que je me concentre un peu plus, c'est tout. Il m'a déconcentré là en montrant ma photo. Là. Oh, mon petit Sacha. Ah, je me suis auto-perturbé surtout. Ouais. C'est plutôt à cause de la mocheté surtout. Ouais. Ouais, il a changé barbe, t'as vu, il est devenu tout petit. Pour monter sur le siège, il est un peu en galère. Hein. Oula. Monsieur Sacha est pas d'accord. C'est gentil. C'est gentil, merci.
Ah ouais, je suis heureux là, t'imagines même pas comment je suis refait. Hein. Ah, je dors avec les fenêtres grandes ouvertes, je profite là du frais là. Bah on est bien. Ah, Sacha est pas content, hein, t'as vu? Ah, ce matin, il a pas envie là, il a envie de montrer qu'il est là. Depuis qu'il fait des bisous à sa copine, bah voilà, ça y est. Ah, fallait pas le dire. Chut. Ah, c'est ça, hein. T'es fin heureux, hein, quand t'es sous les combles du frais, là. Et encore, le froid, en hiver, c'est un peu. Allez, T'as vu? Tu veux entendre tonton? Non, Non, beaucoup. c'est pas pour toi, Sacha, ça. Non, Tu veux écouter tonton? Aïe, aïe, aïe. Arrête, Sacha, 2 secondes. Pourquoi pas tonton? Comment ça? C'est toi qui me demande tonton depuis tout à l'heure et là tu me dis pas tonton. T'as bobo? Oh mon pauvre Ninou. Tu t'es fait piquer par un moustique? Ah ouais, bah là, entre Je autres. vais mettre en pause le rec, hein, tant pis.